Allez, salut, c'est Seb, on se retrouve pour une course classée sur le multi de Air Factor 2. On est parti donc sur la catégorie intermédiaire. Donc en fait il faut avoir un rating un petit peu plus élevé pour pouvoir y participer. Au début vous commencez en beginner et là on a accès à quelques courses supplémentaires avec des temps un peu plus importants au niveau des courses, c'est-à-dire que c'est 30 minutes là pour celle-ci. Et on est en Ferrari sur Bornach GP. Bon, on est plus d'une vingtaine je crois, si je ne me trompe pas, split 1. Encore une fois, ça va être un petit peu galère de tenir, mais bon, on démarre, je sais plus, 17e, très très loin. Du 7ème, bon, c'est dans la deuxième partie pour un split 1, c'est pas trop mauvais. Bon, maintenant, on va voir ce que ça donne. Faut se méfier des vibreurs. J'ai pas su régler, enfin, en tout cas, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de régler comme je voulais, c'est-à-dire surtout les suspensions et tout ça, et les amortisseurs. Enfin, bref, pour essayer de compenser un petit peu. Toutes ces bosses. Alors, formation lap, ça veut dire, si je me rappelle bien, qu'il va falloir s'arrêter à la bonne place. Bon, ça c'est déjà une chose. Donc départ arrêté, si je ne me trompe pas, on va bien voir. Ça c'est, j'avoue que j'ai pas regardé. Doucement, mais si on se calme, pas besoin de s'énerver, c'est le tour de formation. On va essayer de ne pas se remettre à la pression. À mon avis, c'est départ arrêté. Non. Départ lancé. Je me suis trompé. Qui se sort, on va y aller doucement. Hein, je rappelle, voilà, doucement, grand, doucement. En 30 minutes, il y a quand même le temps. Non, derrière, tu vois. Voilà, t'as récupéré ta place, t'es content? Allez maintenant laisse-moi rouler, file dans ta chambre. Moi ça va, premier tour je crois que j'ai peut-être perdu une ou deux places, mais bon, c'est pas bien grave. Oh, c'est lag, c'est pénible.
peut-être pu mettre la 2 ici. Ah, décroise pas exprès, hein, grand. Jeté à l'œil. On va se montrer. Ouais, mi-piste. Ouais, c'est original comme défense. C'est pour ça que je vous dis, Bornach, il est vraiment pas large, que les mecs, ils en profitent. Mais bon, on va être patient. Allez. Je peux plus de ces lags. Ouais, je vois mes FPS qui chutent quand il y a les lags. Je suis à 90 constant et je vois une petite baisse de framerate. Je devrais me concentrer sur la course hein, plutôt que ça. Allez, pas cesser de distancer. Voilà, on est pas mal au niveau du rythme. On se plaint des lags de WRC, mais là... J'espère qu'ils vont le faire disparaître dans Le Mans, parce que... Allez, il faut que je revienne pendant que ça se touche un peu, là. Une seconde, deux. Après, je suis en traction control 3, je préfère avoir un petit peu de marge quand même de sécurité. Derrière, c'est à 6 secondes, marque. Il doit être plus rapide que moi, donc... Oh putain, mais... Gars, quand tu te plantes et que tu veux revenir en piste, reviens de façon safe. Enfin, essaye pas de... C'est pas possible. Oh, le frein est... Il a pas aimé. Allez, toujours une seconde deux. Il y a 5 minutes de passer. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez aussi des lags. Je tiens mon rythme à ça, pour l'instant il n'y a pas de souci. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus d'appui. On revient pas comme un salaud. Et là il va pas se laisser faire, on va essayer de lui mettre gentiment la pression. Il essaye hein, mais bon après...
Il a eu la chance de pouvoir revenir, hein, parce que honnêtement. Ouais, il se jette le gars, hein, sérieux. Ça va mal finir les deux. Ah, ils le prennent plein de bourre. Ils sont un peu plus rapides que moi quand même. Ah, mais c'est incroyable le bol qu'il a. La rouge là-bas devant, il s'en sort encore alors qu'il était à la limite là. Ah, il a la pression quand même, hein. Il est pas serein. Les deux sont prenables, hein. C'est-à-dire que on est quasiment, je pense, sur le même rythme. 20 minutes. Ah, mais lui, il va se faire avoir, hein. Ça fait deux fois. Hein. Là, c'est pas possible. J'ai failli me faire démonter. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est l'autre devant qui le gêne. Il a failli en avoir deux en strike là. Allez, on va essayer de recoller.
Eh oh grand, c'est bon là. Moi je veux bien, mais à un moment. Allez, cette concentration. Il y a du monde devant. Pas aller trop vite. Ah putain, Seb! Tu perds énormément de temps là. Ah bah derrière ça revient pas trop. Bon, 24 secondes, ça va. Je regarde en même temps mes pneus parce qu'on sait jamais. Oh, il est large. Ah, j'ai dû freiner parce que j'ai cru qu'il allait me défoncer. Allez, P16. Vous devez les voir, je pense que c'est là que je suis désolé de revenir dessus, mais n'hésitez pas à me dire si vous les avez en offline, en online, peu importe, mais ça déstabilise. Allez, devant, on va essayer de l'attaquer. On va déjà essayer de s'y rapprocher. Parce qu'il y a un beau paquet de monde devant. Ah, les pneus, j'ai pas tenté, mais en une demi-heure, ça devrait largement tenir. En soft. Une seconde 4, allez. Bon, derrière, il a lâché. Au moins, je dois pas regarder dans mon rétro. Bon, je suis plus rapide que lui devant. Maintenant, il va falloir être constant. Concentré. Ah, il est pension, il me prend un peu d'avance. Ouais. Allez, on reste en quatrième pour garder un peu de grip.
mon avis, vu les sorties qu'il a déjà fait, ses pneus ils sont un petit peu entamés déjà. Allez, on se montre. Faut être patient. 11 minutes, un peu plus. Si j'avais pas loupé. Là, je peux bien remonter. Là c'est le moment où je vais peut-être pouvoir l'avoir. Putain, derrière, comment il est revenu, lui. Je sais pas si c'est à cause de lui devant où j'ai baissé le rythme. Allez, 10 minutes. Attention derrière, attention. Allez, derrière, il va pas aller là quand même. Il est fou, lui. Allez, il faut que je le passe. Hein. Ici peut-être. Allez, ici. Change pas de trage. Change pas de trage. Bah oui, hein. Bah oui, bah attends, bah sinon c'est pas drôle. Bah sinon c'est pas drôle, hein. Ça. Putain, c'est pas possible ça. Ah mais les mecs, hein. Tu peux pas te battre, c'est dingue ça, tu peux pas te battre. Hein. Bah oui. Hein. Ah mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et il est content, c'est... Ah, j'en reviens pas. Ça m'énerve ces gens-là, mais ça m'énerve ces gens-là, ces pilotes-là, je sais même pas si on peut appeler ça des pilotes. Je regarderai quand même le ralenti, on regardera tout à l'heure, mais à un moment sérieux quoi. C'est pas possible, 84 secondes, bah oui. C'est pas possible ça. Les mecs ils veulent pas se battre proprement.
C'est con, c'était une belle course. Mais non. Il a encore fallu qu'un con s'en mêle. Mais je vais le report, c'est pas grave. Le premier report que j'avais fait, ça a fonctionné. Ah là 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 là. Alors, est-ce que j'ai ma part de responsabilité? Est-ce que je devais attendre? Est-ce que si? Est-ce que là? Le problème, c'est que le mec il fait gauche-droite, il se met mi-piste. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? J'étais plus rapide, hein, il était un peu à la rue. Bah non. Ils veulent pas? Ils veulent pas se laisser passer? Pourquoi on laisserait passer? Bah non. Au lieu de soulager et de me laisser passer, parce que je suis plus rapide, non, le mec il force. Bon. Ok, bon, bah, c'est tout. On va fumer en arrière, hop. Je suis même pas prêt. Moi ça. Tellement je suis énervé, quoi. Bon, à ce rythme-là, j'aurais peut-être pu changer les pneus, mais bon. Bon, est-ce qu'on peut revenir sur le mec juste avant? Secondes, hein, ça va être chaud. Hein. Moi qu'il ait les dégâts, c'est terminé. Je resterai bon 18ème. C'était à quel tour ça? Tour 15. Ça, je vais le noter. 14-15. Pas que j'oublie. Le premier report que j'ai fait sur une précédente course, ça a fonctionné. Ils m'ont répondu au bout d'une journée en me disant que effectivement ils allaient report le gars, enfin report en fait, lui mettre deux points de pénalité. Bon, donc pour moi ça a marché, c'est à dire que bon, je sais pas s'ils l'ont fait, s'ils l'ont dit, je pense que après de quel niveau ça a un impact, j'en sais rien, mais au moins ils m'ont répondu et visiblement ils vont le faire, donc wait and see. Ah bah tout comme ça, t'as envie de faire échappe, hein, ça. Mais comme c'est pas ma philosophie. Rien à gagner, hein. Du coup on va terminer la course comme ça en roulis, mais... J'ai pas vu que c'était, y'en a un qui s'est retiré. Après, je suis quand même de marquer des points puisque je crois que j'ai démarré P19, je suis P18, donc dans tous les cas. J'ai freiné trop tard. Ah, je suis plus dans le rythme. Ça, c'est bien ça le problème. Il reste 2 minutes. Après, je pense quand même que la stratégie en pneu tendre, c'est la bonne. Mais bon, pneu avant gauche, il est à 66% quand même.
Oula, devant il s'est planté. Peut-être moyen. Oh oui, là, il est à la rue, là. Qu'on n'ait jamais lâché. Ah, il rentre au stand, il y a du suet, je pense. Ouais, P17, voilà. On va faire quelque chose, éviter les cons. C'est pas toujours évident. Et du coup, Marc qui commençait dans les derniers à cause de je ne sais pas quoi, bah, il est devant moi. Donc, la stratégie qu'on dit, qu'on donne. Démarrer derrière. Bon, les pro e-racing, vous n'allez pas vous jeter sur cette vidéo pour en faire des commentaires par rapport à RF2. C'est partout pareil, je l'ai déjà dit, je me répète. Mais encore une fois, ne restons pas sur un a priori. On va voir si effectivement j'étais en tort ou pas. De toute façon, bon, après, sur un accident de course. Tout le monde n'a pas la même visibilité, vision du truc. Donc les avis tranchés sont toujours compliqués. Enfin. Nous verrons bien. Le replay va parler, j'espère. Dernier tour, je pense. À mon avis, il y a bagarre là. Peut-être P1, P2, P3, je sais pas. On va laisser passer. La peau bleue, c'est ça, les gars, parce que j'en vois tellement. La peau bleue, c'est laisser passer ceux qui sont plus rapides. Là, comme derrière, j'ai rien à perdre, ni rien à gagner. Faut laisser passer, hein. Ils sont en bagarre visiblement, donc. Bon, on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé. Hop. Allez, watch. Tour 15. Voilà, là, il vient de me faire défoncer. Je roule un crabe, ça doit être là. Ou alors, je me suis déjà fait défoncer là. Je suis bien plus rapide, il se met mi-piste, ouais, gauche, droite, on s'en fout. Là, je crois que je vais sortir mieux que lui. Je vais l'attaquer, ce qui me paraît logique. Je suis devant. Mais c'est pas grave. Bah, pourquoi? Mais pourquoi? Ah bah, après, on défonce, je suis désolé pour le gars. Hein, c'est. Mais on va aller voir qui c'est, du coup. Hop, retour. Voilà, le petit, là, qui est à côté de moi, c'est qui? Ah oui, c'est lui. Alors lui, c'est qui? Auriol Denise.
Auriol de Nise. Mais d'accord là. Là j'étais devant lui. Bon, après sur cette caméra-là, ça se voit pas énormément. Mais il se rabat bien sur moi. Enfin après, il y a la place quand même. Mais il fait comme si je suis pas là en fait. Alors que là dans mon angle, il doit bien me voir. Ou c'est rétro, peut-être qu'il y en a pas, j'en sais rien. Mais là, il se rabat déjà en fait, comme si j'étais pas là. Moi à un moment, je peux pas faire grand-chose non plus. Je sais pas si on va voir moi, mais je prends ma trage. Un petit peu comme je peux aussi. À un moment, je peux pas serrer plus que ça, les gars. Enfin, je sais pas, mais c'est un peu compliqué de serrer plus que ça. Bref, on va aller voir au niveau des points. Comme ça, on verra aussi pour un report comment ça se passe. Septième. On a pris un petit peu de points, je pense, au niveau du rang que j'ai perdu. Ouais, c'est ouais. Pas une course pour rien, mais bon. Du coup, il faut aller sur résultat. Et là, Orioz, il est où Voilà. Oh, en espagnol, j'ai rien dit. Voilà. Le tour 13 ou 14, je ne sais plus. Bump me, je sais plus ce qu'il faut mettre. Enfin, bref, bump me. And change line. Allez. On verra bien ce que ça donne. Bref, bon, et ben voilà ce que je peux vous dire sur cette course. Désolé, hein, ça aurait dû être bien mieux. C'était déjà pas mal, mais voilà, il m'a gâché ma fin de course, ma remontée. Mais voilà, j'étais dans un bon rythme, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!